côté. Pardon, excuse-moi. Pierre Alain, au boulot. Qu'est-ce que je vais en faire après? Ça va de bonjour les gars. Thank you.
guarda la fila. Je laisserai le soin à nos amis de terminer tout ça. Bon. Merci. Attends une seconde. Merci d'être tous là pour Gino. Moi, j'ai jamais été très proche de Gino. Lui, il a été beaucoup plus proche que moi. Mais j'ai eu le privilège de le côtoyer pendant 40 ans. Et je crois que les 40 années, je l'ai vu au moins deux ou trois fois par an. Parce qu'on a eu le plaisir de jouer et de jouer au golf. Lui, ici, moi, autour. Jamais dans le même club. Et bon. Malheureusement, aujourd'hui, il nous a quittés, ce qui est une grosse perte pour beaucoup de gens. Je crois que le directeur du golf ici peut en témoigner, ainsi que le greenkeeper qui nous a permis de faire cette petite manifestation aujourd'hui. Olivier, tu peux nous rappeler quand même nos débuts communs dans une entité qui a aussi disparu, la Banque de la Méditerranée, qu'on est tous en train de regretter, puisque grâce à elle, on a pu avoir une carrière que je crois aucun jeune ne pourra avoir. Alors, rappelle-nous les premières journées, comment on est arrivé ici. Comment on est arrivé ici, en prenant l'autoroute. Alors, 1976, s'il te plaît. Oui, mais je ne vais pas refaire le blablabla que j'ai fait à l'église. Alors, Gino est pour la majorité d'entre nous un grand monsieur. Je dis encore « et », parce que même s'il n'est plus là physiquement, il est là dans mon cœur en tout cas, et je pense que dans le vôtre aussi. Un mec bien, un mec très bien, un mec... Il n'y avait pas que le sport qui nous réunissait, ni le foot qu'on a fait, le rugby, le squash, le tennis, enfin, et j'en passe. Et bon, il avait de l'avance sur nous, vu que c'était un ancien athlète, c'était un ancien champion du Liban de son hauteur, et c'est là où il a rencontré sa future épouse, elle-même, championne du 400 mètres, si je ne m'abuse, au Liban. Et on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et donc je dois aussi rendre hommage à Mira, qui est là, qui le supportait plus que nous, avec ses qualités et ses défauts, parce qu'il était chiant aussi de temps en temps. Merci Gino, tu peux lui dire merci. Tu peux me dire merci mec, enfin tu le sais. Bah, il dit la vérité. Hein. On a traversé avec Tony, ici présent, comme là je suis à 47, 48 ans d'amitié, peut-être Tony toi un peu plus parce que 50 ans, tu le connaissais depuis Beyrouth. 1973. Il n'y a pas un jour, je pense pas à lui, ça je l'ai déjà dit l'autre fois, mais c'est toujours la vérité, je l'engueule parce que il n'avait pas le droit, il n'avait pas le droit de nous faire ça, et je pense que bon, évidemment, il ne le souhaitait pas, mais je sais pas, moi j'ai toujours du mal à l'accepter, donc j'ai pas envie de m'étendre plus que ça, il est dans mon cœur, il le restera, et encore comme a dit Daniel, merci à vous tous d'être là, ça fait chaud au cœur, et puis s'il existe un paradis ou s'il est dans le ciel, bah, il nous voit là-haut, donc on peut lui faire un petit coucou. Et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour me mander sur un club de golf. T'as réussi, Gino. Alors, à bientôt, mais pas trop vite, j'espère. Merci à vous deux. Merci à Mira. Merci à Gino qui nous a envoyé un beau ciel bleu et un grand soleil aujourd'hui. Par contre, si vous voulez bien, je voudrais bien que vous mettiez tous devant là. Parce que vous pour ça, c'est très gentil. Mais à ce moment-là, on va peut-être demander à ceux qui vont venir. Directeur, ceux qui veulent confier les téléphones à Paul. Tout le monde veut nous l'envoyer, celle-là. Ceux qui veulent confier leur téléphone à Paul, nous l'envoyer. Il ne faut surtout pas cacher son téléphone. Oui, mettez-lui leur téléphone.